Question pour Av, d'accord. Alors attention, qui sont les trois personnes que vous amèneriez avec vous sur une île déserte? Le groupe Ozone, et je les laisserai là-bas. Tu te rappelles Ozone? Ouais. Ah ouais. Putain, fallait les retrouver. Moi, je prendrais Éric Zemmour, Marine Le Pen et le mec qui a inventé les Crocs. Parce que quitte à crever, autant faire du bien à l'humanité. Voilà. Oh, c'est beau. À Kevin? Moi, je prendrais Isabelle Morini-Bosque. Non, parce que je trouve qu'elle a toujours un truc à dire sur tout. Camille Lelouch, parce que j'aime bien quand elle chante. Et Arthur, comme ça, dès que ça nous saoule, il déserte, il appelle l'hélico et puis on repart, quoi. Ah. Voilà. Tu sais, le voilà, ça veut dire on va passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Ah, si vous étiez invisible, qu'est-ce que vous rêveriez de faire? Moi, je boufferais comme un porc. Bah ouais, tu t'en fous d'être gros quand t'es invisible. Non mais d'accord, mais si t'avais le pouvoir de devenir invisible une heure, on parle pas des toute ta vie invisible. Eh ben je boufferais comme un porc, je le reviendrai après, mais je... Qu'est-ce que tu fais, Tony? J'irai à Sephora et je me parfumerai gratuitement. Mais tu sais que tu peux y aller en étant visible. C'est vrai, je comprends pas le mec. Mais qui fait que les trucs, je prendrai un Uber. Ouais, mon pote. Ouais. Et j'irai pas. Tu sais quoi? Je traverserai au feu rouge. Et moi, j'irai passer une journée dans les bureaux des présidents. Moi, j'adorerais passer une journée dans le bureau de Trump. Tu vois, quand il joue au Rubik's Cube. Dans le bureau de Poutine, ça doit être intéressant, tu vois. Je veux dire. Comment ça se passe l'ambiance dans le bureau de Poutine? Il est torse nu, il y a des ours. Il joue au golf avec. À mon avis, tu te marres bien dans le bureau de Poutine. Ouais. Et dans le bureau de Macron, on a envie d'aller voir. Dans tous les bureaux, on a envie d'aller voir. C'est vrai. Moi, j'aimerais bien aller dans la zone 51 dans le Nevada. Ah ouais. Tu sais, c'est une base militaire secrète. Ah ouais. Et en gros, il y a plein de choses ultra secrètes. Apparemment, il y a même l'audience de Radio Jack là-bas. Bâtard. À votre avis, quelles seront les prochaines évolutions génétiques chez l'homme? Tony. C'est mauvais signe. On aura le Wi-Fi greffé dans le cerveau. Ah oui, c'est vrai ça. Et on pourra se plugger le chargeur de l'iPhone. Où on veut. trois petits points. Moi, je pense qu'on n'aura plus de testicules. Pourquoi? Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est hyper engagé, ce que je veux dire. C'est une phrase à la Tony. Alors parce que quand on voit la lâcheté humaine, on se dit qu'on n'a plus besoin de couilles. Hashtag comme féfé, mec. Ok, j'ai presque envie d'arrêter l'émission 20 minutes avant. Tellement c'est beau ce que tu viens de dire. Arthur is back sur Radio Jack.